écoute, mes nouveaux, mes anciens, bienvenue. Aujourd'hui, je partage avec vous un atelier loisirs créatifs pour préparer une carte pour la fête de mer. Voilà, donc j'ai pris ces modèles-là. C'est des blocs cartonnés décorés tout près que j'avais achetés. Donc ces modèles-là, je les avais achetés au Lézard Créatif il y a 4-5 ans à peu près. Donc je n'ai aucune idée du tarif. Voilà, donc on va prendre les ciseaux crantés à nouveau. Donc un nouveau modèle. Donc je vais légèrement cranter les dessus. Ce qui donnera cette forme-là. Voyez-vous, si vous voyez. Je vais vous montrer. Voilà. Donc les surprises arrivent les unes derrière les autres. Pour bien décorer, donc là j'ai un scotch, voilà, avec la petite chouette, vous voyez bien, voilà. Donc je vais mettre le bordure de la feuille pour décorer avec le masking top. Là, vous faites bien tenir. Voilà, vous voyez comment c'est joli. Donc, quand on regarde, les chouettes ont la tête vraiment dans le bon sens. Alors, voici la carte. Voilà, bien décorée, tout le rebord avec les masking tops chouettes. Et alors, j'ai fait le soin de ne pas cacher les petites bordures crantées. Vous voyez? Si vous voyez bien. J'ai fait vraiment exprès pour qu'on puisse le voir. Donc ne cachez pas avec les masking tops sur le petit rebord. Voilà. Maintenant, vous prenez, si vous en avez, sinon vous faites des petits stickers ou des petits dessins et vous colorez. Moi, j'ai un tampon chouette. Vous voyez? Donc, je vais mettre au milieu. En haut et en bas. Voilà. Et par la suite, je vais écrire avec cette fois du rose et du violet. Bonne fête, chouette maman. Donc voici, vous voyez, j'ai mis bonne fête, chouette maman. Voilà, pour essayer toujours de faire le rappel de ces petits tampons de chouette. Voilà. Et puis votre maman est quand même une vraie chouette maman. Voilà, donc c'est son jour, c'est sa fête. On va lui souhaiter, c'est le cas de le dire. Alors maintenant, bon, je vais passer à la surprise. Je prends un petit pinceau tout fin et je vais vous montrer la surprise, comment on va pouvoir la fabriquer. Donc vous prenez votre colle passe-partout, vous allez mettre le petit trou que vous voyez, les petits coins blancs de la chouette, vous voyez, sur le côté, une pointe de colle que vous allez repartir avec les pinceaux. Regardez-moi ceci, admirez-moi. Voilà une petite chouette pailletée. Et maintenant, je vais pailleter la tête de la deuxième chouette. Parce qu'une, elle est tamponnée, bien remplie, mais la deuxième, et vous allez voir, ce sera magnifique également. Donc, vous faites exactement tel que j'avais fait pour le petit recoin. Vous mettez deux ou trois petites courbes. Pointe de colle, vous distribuez avec votre pinceau très très fin,
Voilà, comme ça, vous ne risquez pas de dépasser. Et là, on mettra des petites paillettes, une poudre de paillettes rose. Voici la tête de la chouette décorée et pailletée en rose. Voilà. Et une est encore vierge, vous voyez. Je voulais vous montrer que vous voyez bien la différence. Donc là, je vais pailleter encore celle du milieu. Vous voyez? Quand je les accroche bien, que vous voyez bien. Hein? Une est comme ça. Et celle qui n'est pas pailletée est comme ça. Donc c'est plus joli quand elle est pailletée. Donc voici la jolie carte finie. Toute mignonne. Voilà. Alors moi j'avais pris le thème de la chouette parce que voilà, je trouve qu'une maman est très chouette. Mais vous, vous prenez ce que vous voulez. Alors, je vous ai montré que la carte derrière était décorée un peu comme ça. Si vous voulez mettre des petites fleurs comme ça, ou des petites formes comme ça, du rouge, du vert, du jaune, au choix. Moi, voilà les petites paillettes que j'ai utilisées. Je vais vous montrer. Voilà, violette et rose clair. Je crois que je les avais achetées à Trifaux. Voilà. Donc, mettez votre touche personnelle, votre petite folie, votre création, votre surprise, les choses spéciales qu'aimerait votre maman. Jouez à votre tour. Voilà. Si vous avez aimé, les louloutes, likez, partagez et pour suivre les nouvelles, abonnez-vous. Voilà. Je vais encore vous en faire deux ou trois. Vous allez être bien, bien servi. L'astucieuse maman éveille et émerveille avec ses merveilles créations. Profitez-en.